Le dialogue est un monologue intérieur prononcé à voix haute à haute voix. Nous sommes sur le dialogue et on attend l'épilogue en comblant le vide d'un surplus de dialogue sourd. Assourdissant tumulte verbal, on n'a pas entendu sonner la cloche de pas de parcours. Encore des bonnes raisons d'être à la bourre. C'est donc l'histoire de Fissa et Nissa, de grosses pédales un peu vandales qui ont explosé le dérailleur de leur vélo volé et s'y sont levés, ont forcé sur pédalier en pleine vitesse. La tête dans le guidon, non géré au casse-reste, la bite prise dans les rayons, faites sonner la sonnette de la kermesse. Là, je suis parmentier d'une paire de kékettes. Ça vous fixe un cadre, un contexte à tous ceux qui ne peuvent encadrer mes contextes. Encore une histoire de sexe. C'est donc l'histoire de Fissa et Nissa, résolver l'équation de cette rédaction. Car bien entendu, aucun sous-entendu. À force, ils n'ont pu remonter sur leur selle, trop mal au cul. Se sont rattachés à leur jouvencelle, ont dû serrer les fesses à la messe, tenter de tirer leur fuite de sel, évitant ainsi les traces de pneus, de rapage à chaque fin de page. Leurs sous-vêtements striés de taches crades, les couilles baignant dans la marmelade. Et c'est à ce moment-là que l'histoire tourne court. À court d'éléments, le compteur s'est emparé du côté, manquait quelques éléments à son tour et à son tour. L'auditeur pédale dans la smoule. Alors roule, cousin, pédale, pédale, c'est bien. Un jeu de mots à deux balles. Alors la roue tourne alors. La roue tourne alors. 1, 2, 3, fontaine. Pulse, repulse et répulse. Pulse, repulse et répulse. Pulse, repulse et repulse. 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 Dans le bac à sable, où la muse instigatrice à mon enculture nous raconte les contes de mille et une nuits, partage sa beauté, nous parle d'un pote qui avait un beau pied avec son pied beau bat en touche. Comme la beauté ne se laisse pas séduire, la femme raconte chaque soir une nouvelle histoire. La muse instigatrice du désespoir, et Dixit le petit Larousse. Un sacré Robert, t'as tricoté, t'as perçu ces gros Robert. C'était comme une prise d'otage dans les péages, autoroute visuelle, des pubs à chaque virage. Direction le parking, histoire de marketing. Sur cette route bien goudronnée où tu as enfin pu la retourner. Et l'horloge qui décoche, mais quand t'es moche, tu peux te la mettre dans la poche. Avoir la mouche du coche en poche, t'en coche quand t'en poche est là. Et l'horloge qui décoche, mais quand t'es moche, file droit direction avenue Hoche. T'as pris la mouche, file tes hoches. T'as donc tes baloches, t'as quelques euros dans tes poches qui s'effilochent. Et là, l'horloge, t'as oublié le coup de l'auto et son lot de soubresauts, sombre sang. C'est là que tu remarques les gros Robert au bord du vestiaire, au coin de la route. Ça se style la biroute et te met en déroute. Oh, crotte! C'était bien une prise d'otage comme au péage. Alors revenons à nos moutons carnis, ça fout sa papa. C'était une meuf et un gars ou bien les seuls mamas. Dans la fière des pas de robe, ça rentre pas à l'envers. Vers à l'envers, tu mets ton pas de travers. Attaque et guerre sans guerre et peu sans divers. Reprends la route vers ou deux routes et si t'as tout en sol ou fais pas. En tout cas, t'as pas les clés de la bagnole. Alors pédale, pédale, avec les jeux de mots à deux balles. A plus là où t'as fait mal, tu vas te retrouver les chats et puis t'allais sur ma balle. Histoire ça. Pulse, repulse et repulse. 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 Non, t'inquiète, il n'a renié ni sa mère ni son père et toute sa prière. Ça l'histoire de Nissa et Fissa, ou peut-être bien que c'était Nina et Fissa. Ok, je sais plus, il y a Nissa et Fina, c'est la fine. Il filme finito, il bambino, il gatto paro, il gattino, allez l'histoire est finie. This is the end.